L'édition 2018 Festival international du film de Moscou aura lieu du 19 au 26 avril, selon son directeur, le cinéaste Nikita Mikhalkov, cité par l'agence TASS. Il est impossible d'organiser le festival lors de la Coupe du Monde. Les spectateurs auront du mal à faire leur choix entre les deux événements, avait-il expliqué récemment alors que l'idée d'un report était discutée selon lui, il leur sera difficile de chercher sans arrêt quel film passer lorsque joueront des équipes populaires. Devenu régulier depuis 1959, le festival présente tous les ans dans la capitale russe une compétition souvent dominée par les titres provenant d'Europe de l'Est. Il présente également une importante sélection de longs métrages, documentaires et courts-métrages russes et étrangers. Soutenu par la Fédération internationale des associations de producteurs de films, FIAPEF, ce festival a accueilli l'été dernier près spectateurs. La Coupe du monde de football se tiendra du 14 juin au 15 juillet, à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans le nord-ouest du pays, entre autres.